J'aimerais rendre gloire à Dieu pour ce moment qu'il nous donne de pouvoir partager la parole. Mais j'aimerais d'une manière particulière être reconnaissant au pasteur qui ne cesse de nous renouveler sa confiance en nous cédant encore son pupitre pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Merci à tous les membres du conseil pour leur acceptation et merci au peuple de Dieu pour votre présence. Nous bénissons le Seigneur aussi pour le témoignage que le frère Victor venait de donner tout à l'heure. Et très rapidement, en tout cas, dans les minutes qui suivent, on va essayer d'apporter une courte exhortation. Que Dieu nous fasse grâce. Je vais commencer ce message en rappelant ce que le diacre Nguema nous a dit ici il y a 2-3 semaines. Comme nous sommes en train de parler de la victoire sur l'adversité, il nous a dit qu'il y a, d'une manière générale, deux grandes catégories d'adversité qu'un homme peut connaître dans sa vie. Il y a des adversités qui sont considérées comme des épreuves qui viennent de la part de notre Dieu pour tester notre obéissance, pour tester notre niveau de consécration et pour nous faire passer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur dans la vie. Mais aussi, il y a des adversités qui viennent de l'ennemi. Celles-là, ce sont les tentations qui ont pour mission, pour objectif, de pouvoir nous éloigner de la face de Dieu, de pouvoir nous faire tomber, de nous tuer, soit spirituellement ou même physiquement, comme nous avons eu à l'écouter le vendredi. Pour illustrer le premier cas des épreuves, nous pouvons parler du Seigneur Jésus-Christ. Ce que je vais dire, on peut le lire dans Luc chapitre 22 à partir du verset 39. Mais nous voyons que Jésus, alors que sa mort s'approchait, alors qu'il devait s'apprêter à affronter la croix, la Bible nous dit qu'à un certain moment, il a dû prendre ses disciples et il s'est retiré dans un endroit où il avait l'habitude de prier. Arrivé à cet endroit-là, il a sélectionné parmi le groupe de disciples trois avec qui il est allé un peu plus loin pour pouvoir prier. Avec ces trois, il est arrivé à un endroit aussi. La Bible nous dit, il s'est éloigné d'eux. Il a continué seul et à un point, il s'est jeté à terre, il a commencé à prier. Là, c'était au jardin de Gethsémané où il a prié. La Bible nous dit que sa sueur se transformait en grumeaux de sang, semblable à des grumeaux de sang, à cause de la frayeur, à cause de l'angoisse qu'il avait dans son âme à pouvoir faire face à l'adversité qui était la croix qu'il attendait. Il n'avait pas encore vécu les atrocités de la croix, mais il visualisait cela et son âme était dans la détresse. Bien-aimé, remarquez que Jésus a marché avec ses disciples jusqu'à un certain point. À un autre moment, il a sélectionné un nombre réduit de ses disciples pour qu'ils puissent l'accompagner dans sa douleur. Et finalement, la Bible nous dit qu'il s'est éloigné. Donc, il a voulu faire face à cette première étape de son adversité, tout simplement seul. Alléluia. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que ces gens qu'il a sélectionnés pour qu'ils puissent l'accompagner dans la prière,
À son retour, il les a trouvés tout simplement endormis. Nous allons revenir à ça. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour mériter cette angoisse qu'il expérimentait dans son âme? Il n'a rien fait de mal. La Bible nous dit qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je disais tout à l'heure, je bénis Dieu pour le témoignage du frère Victor que nous venons d'écouter. Il a marché selon sa pensée. Mais à un certain moment, il s'est arrêté pour dire que non, il y a un Dieu dans le ciel. Je dois me retourner vers ce Dieu-là. Bien-aimé, bien que mon temps soit court, laisse-moi te dire que si tu es dans cette salle et que tu n'as jamais eu l'opportunité de donner ta vie au Seigneur Jésus, de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur personnel, l'occasion t'est donnée encore ce matin. Le salut ne vient pas du fait que tu es né dans une famille chrétienne. Le salut ne vient pas du fait que tu viens à l'église. Tu es même fort et actif à l'église, comme nous venions de l'entendre. Mais le salut est une décision individuelle que l'on prend de pouvoir accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. D'ailleurs, la Bible nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il faut entendre la voix, il faut poser un acte, il faut décider. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, il y a une décision à prendre. Il y a un acte à poser avant de pouvoir rentrer dans le royaume du Seigneur. Alléluia. Nous allons revenir à ceci très bientôt. Mais j'aimerais, bien-aimé, te dire qu'à côté des adversités, des épreuves, qui te viennent de la part du Seigneur pour te tirer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, il y a aussi des adversités auxquelles tu fais face parce que tu es en train de payer ce que tu as fait dans ta vie, parce que tu es en train de récolter le fruit de ce que tu as semé quelque temps en arrière dans ta vie. Bien-aimé, les actes que nous posons, nous allons le voir tout à l'heure avec le personnage que Dieu nous a mis à cœur. Les actes que nous posons nous poursuivent. Il y a 2-3 semaines, j'avais dit ici que ce que tu laisses, comme les enfants d'Israël, Dieu leur a dit, exterminez les Philistins. Exterminer les Amalécites. Ils ont eu à exterminer une partie. Ils ont laissé une autre partie. Et c'est cette partie-là qu'ils ont laissée qui leur a causé tous les troubles de leur vie. Donc, ce que tu laisses dans ta vie, c'est ce qui te pique. Le personnage dont nous allons parler ce matin n'est autre que Jacob. Son récit, nous pouvons commencer à le lire à partir du chapitre 27 de Genèse jusqu'au chapitre 32. Mais je vais résumer pour chuter sur les passages essentiels qui vont constituer le motif de l'exhortation de ce matin. La Bible nous dit que Isaac, le père de Jacob, était vieux et il avait difficile à voir. Et il se dit comme un père, je ne vais pas m'en aller avec les bénédictions que Dieu a déversées en moi.
Je dois déverser ces bénédictions sur mon fils. Et il a appelé son fils aîné, Ésaü, pour lui demander de lui apporter du gibier, de lui apporter un repas avant qu'il ne puisse le bénir. Pendant que Isaac était en train de parler à Ésaü, son épouse était là. Elle a entendu ce que Isaac disait à son fils aîné. Alors que Ésaü était parti dans la brousse pour attraper du gibier, Madame Isaac appelle Jacob et lui demande de pouvoir apporter deux veaux gras dans la cour afin qu'elle fasse la nourriture à Isaac et que, au lieu que Isaac bénisse Ésaü, que la bénédiction d'Ésaü repose sur Jacob. Ce qui a été fait, Jacob a apporté la nourriture à son père. Et à partir du verset 18, Genèse 27, la Bible nous dit, il vint vers son père et dit, mon père, et Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son fils, je suis Ésaü, ton fils aîné. Je t'ai fait ce que tu m'as demandé. Lève-toi, je te prie, assieds-toi, mange mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac a posé à Jacob la question de savoir si effectivement Jacob était Ésaü, et Jacob a déclaré que oui, c'est moi Ésaü, ton fils aîné. Isaac a mangé le mets lui présenté par Jacob et il l'a béni. Quand il a terminé de le bénir, Ésaü qui est allé à la forêt pour chercher un gibier revient et là l'animosité commence entre les fils d'un même père. Mais souvenez-vous qu'auparavant, Jacob avait volé le droit d'aînesse à son frère. Ésaü était en colère. Il voulait en finir avec Jacob. Et sa mère lui dit, écoute, je vois que ton frère aîné est suffisamment fâché contre toi pour fuir loin de lui. Je te demande d'aller te réfugier chez mon frère Laban. Nous savons tous comment est-ce que Jacob est allé habiter avec son oncle, comment est-ce qu'il s'est marié jusqu'à devenir polygame, comment est-ce que Dieu l'a enrichi. Mais à un certain moment de la vie, Jacob a constaté que Laban et ses fils commençaient à l'envier à cause du fait qu'il était béni. Et il a décidé de retourner dans sa patrie, dans la maison de son père. Derrière lui, il y avait Laban et ses fils qui réclamaient leur richesse. Mais lorsqu'il se trouve en route pour retourner dans sa patrie, la Bible nous dit que sa ruse l'a rattrapé. Il a commencé à redouter l'accueil que pouvait lui réserver son frère Ésaü. D'une part, il est en train de fuir de la main de Laban. Mais de l'autre côté, il commence à redouter la réaction de son frère en le voyant. Et la Bible nous dit que à deux reprises, Jacob, qui n'a pas cessé avec sa mentalité de ruse, a envoyé des présents à son frère pour pouvoir calmer sa colère, pour pouvoir l'apaiser. Mais la Bible nous dit que Ésaü
a renvoyé et les présents et les serviteurs pour dire, moi-même je viens à la rencontre de Jacob. Et l'âme de Jacob était dans l'angoisse. Devant lui, il y avait cette adversité. Il se demandait, mais qu'est-ce que je vais faire avec mon frère? Comment est-ce que je vais m'en sortir? J'ai compté sur les hommes. Mes serviteurs, ils n'ont pas apporté la solution. Par contre, ils m'ont apporté une nouvelle qui m'a davantage découragé. J'ai compté sur mes présents. Mon frère les a rejetés. Qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Alléluia. Et lorsque, rapidement, nous allons dans Genèse chapitre 32, à partir du verset 24, la Bible nous dit que Jacob demeura seul. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas encore donné le titre de cette exhortation, mais nous allons tout simplement l'intituler, parce que nous sommes en train de parler de la jeunesse. Jeune homme, qui es-tu? Et jeune fille, quel est ton nom? Alléluia. Jeune homme, qui es-tu? Jeune fille, quel est ton nom? Ces questions ont été posées à Jacob à deux reprises, mais il a donné deux réponses différentes. Je disais, à un moment, Jacob s'est résolu de rester seul afin de pouvoir faire face à l'adversité qui l'attendait. Et lorsqu'il est resté seul, comme Jésus d'ailleurs, dans le verset, le passage d'introduction, Jésus a marché avec les disciples. Il leur a recommandé de rester à un endroit pour prier, pour intercéder. Mais les disciples ont failli à leur mission. De la même manière que les disciples ont failli à leur mission, les serviteurs de Jacob, la richesse de Jacob, n'a pas pu régler le problème de l'adversité qui était devant lui. Et Genèse 32, la Bible nous dit, Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Bien-aimé, ce matin, laisse-moi te dire que devant un certain type d'adversité, mieux vaut être seul qu'être mal accompagné. Alléluia. Le frère Victor ici nous a fait voir qu'à un certain âge, lorsque tu n'as pas de copain, lorsque tu n'as pas de copine, chez nous à Kinshasa, on t'appelle Yuma. C'est que toi, tu es bleu, tu es bizarre. Ça, c'est l'influence de l'entourage sur lequel tu peux compter pour faire face à des situations, pour faire face à ton avenir. Mais Jacob est resté seul. Et lorsqu'il est resté seul, nous pouvons le lire. Genèse 32, 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Verset 27. Il lui dit, quel est ton nom? Alléluia. L'homme demande à Jacob, quel est ton nom? Cette même question a été posée à Jacob par son père, Isaac, lorsqu'il lui a présenté le mets. Mais Jacob a dit, je suis Esaü, ton fils aîné.
Je suis ton fils aîné Esaü. Mais maintenant, parce qu'il a affaire à l'adversité, il est troublé, il ne sait plus tromper. Il lutte avec l'homme. L'homme lui pose la question, « Quel est ton nom ?» La toute première fois, Jacob dit, il répondit, « Jacob. » Alléluia. Il a reconnu son identité. Il a reconnu ses faiblesses. Non pas seulement il est resté seul, mais il a été sincère. Bien-aimé, il n'a pas reconnu son nom. Lorsque son père Isaac lui a posé la question de savoir « Qui es-tu ?» Si tu ne reconnais pas ton identité, tu ne reconnais pas tes erreurs, tu ne reconnais pas tes fautes, tu peux avoir la bénédiction. Alléluia. Nous avons vu que Jacob s'est fait passer pour Esaü et son père Isaac l'a béni. Mais si tu ne reconnais pas tes faiblesses, tu ne reconnais pas tes défaillances, il peut arriver que tu sois béni. Mais tu ne recevras jamais un nom qui va te permettre de faire face à l'adversité. Lorsque nous lisons la suite du passage, lorsque Jacob a répondu, Jacob, l'homme lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu. Tu es resté seul dans la présence de Dieu. Tu as aussi lutté avec les hommes. Les hommes t'ont traité de human. Les hommes t'ont traité de bizarre. Les hommes t'ont traité de vaurien, mais tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec les hommes et tu es sorti vainqueur. Alléluia. Tu es sorti vainqueur, bien-aimé. Le temps est arrivé pour toi de sortir vainqueur afin de pouvoir recevoir un nom qui va te permettre d'affronter ton adversité. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la suite, nous voyons que la rencontre entre Jacob et son frère Esaü n'était pas comme lui, il était en train de l'imaginer dans sa tête. Il y a des adversités que nous créons nous-mêmes. Il y a des adversités que nous provoquons nous-mêmes. Il y a des adversités qui nous rattrapent. Tu es jeune aujourd'hui. Lorsque Jacob a agi, il était jeune, il était célibataire. Mais l'adversité qui s'en est suivie, il était homme, il était marié, il avait des enfants, il était riche. Mais ce qu'il a laissé dans sa vie l'a rattrapé. Alléluia. Alléluia. Qui es-tu, jeune homme? Quel est ton nom, jeune femme? Ça, c'est la question que le Seigneur te pose ce matin. Bien-aimé, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que Jacob signifie celui qui prend par le talon, celui qui usurpe, celui qui est rusé, celui qui supplante. Mais parce qu'il faisait face à une adversité, il a reconnu ces choses. Quel est ton nom? Il a dit Jacob. Et ce matin, la question que je te pose, quel est ton nom? Qui es-tu? Je suis un méchant. Je suis un colérique. Je suis quelqu'un qui a de la haine dans son cœur. Je suis un menteur, un calomniateur. Je suis un voleur. Je suis celui qui détourne les deniers publics. Je suis un fornicateur. Je suis celui qui se masturbe. Cela n'est pas un problème. Lorsque tu es dans la présence du Seigneur, reconnais ce que tu es. Reconnais ce que tu es, parce que lorsque le Seigneur te pose cette question, il ne te la pose pas parce qu'il ne connaît pas ce que tu es. Il le connaît, mais il veut tout simplement
voir la sincérité de ton cœur lorsque tu te retrouves seul dans sa présence. Et l'objectif poursuivi, c'est de te donner un nom qui te permette de pouvoir vaincre ton adversité. Alléluia. Je suis un incrédule. Je suis un hypocrite. Je vis dans la duplicité. Lorsque je suis à l'église, je présente une autre image. Lorsque je suis dans la société, je présente une autre image. Je suis un profiteur, je suis un hypocrite, je suis quelqu'un qui détruit les foyers des autres, je suis une voleuse de mari. Qui es-tu? Quel est ton nom? Dieu ne te pose pas cette question pour te condamner. Mais Dieu a un objectif, celui de te rendre vainqueur sur ton adversité. Si tu reconnais ton identité, si tu reconnais tes failles, si tu reconnais ta situation, Dieu te dira merci d'être sincère. Mais à partir de maintenant, tu es un racheté de l'Éternel. À partir de maintenant, tu es la prunelle de mon œil. À partir de maintenant, tu seras la lumière du monde et le sel de la terre. Tu seras fille et fils de Dieu. Et cela va te permettre de pouvoir vaincre l'adversité qui est devant toi. Alléluia. Pour terminer, bien-aimé, je veux dire que Jésus et Jacob ont connu des moments d'angoisse, des moments de frayeur, mais ce n'était pas pour les mêmes raisons. Alléluia. Si quelqu'un traverse une épreuve et toi tu as péché, vous connaissez les mêmes difficultés, il ne faut pas te consoler pour dire que même ceux qui craignent le Seigneur, ils ont les mêmes problèmes que moi. Parce que vous pouvez connaître les mêmes difficultés, vous pouvez connaître les mêmes adversités, mais les finalités diffèrent. L'autre sera élevé, mais toi, tu seras rabaissé. Deuxième chose, Jésus a fait face à une épreuve, mais Jacob, lui, a fait face à une tentation. Une bonne chose que les deux ont fait, ils sont tous restés seuls dans la présence du Seigneur. La Bible nous dit que Jésus s'est éloigné de ses disciples. Et la Bible nous dit que Jacob s'est séparé de ses serviteurs, de ses femmes et de sa richesse pour demeurer seul dans la présence du Seigneur. Et restant seul dans la présence du Seigneur, il a reconnu sa situation. Et là, Dieu lui a donné un nouveau nom. Parce qu'il n'a pas renié son état, parce qu'il a reconnu ses points faibles, il a reçu un nouveau nom qui lui a permis de faire face à son adversité. Alléluia. Alors, qui es-tu ce matin? Quel est ton nom ce matin? Le Seigneur te pose cette question. Qui es-tu ce matin? Quel est ton nom ce matin? Tu as horreur de l'adversité qui est devant toi. Tu as fait le bon choix de rester seul dans la présence du Seigneur. Mais il te faut une autre chose, répondre à cette question. Qui es-tu? Quel est ton nom? Et ta réponse va déterminer soit ton échec vis-à-vis de ton adversité, soit ta réussite vis-à-vis de cette adversité-là. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu bénisse sa parole.